Thank you.
me revoilà. Recoucou, recoucou, tout ça, tout ça. Du coup, là, pendant que je mangeais, je me suis dit que je voulais ma tenue de batracien. Parce que j'ai toujours pas le chapeau. Donc, l'idée, c'est que je vais faire ce petit lac parce que sinon, je le ferai jamais parce que je tiquerai pas. Ah, là, y a... Voilà, donc je vais faire ce petit lac. Voilà, ce tout petit là. Et ça, on fera plus tard. Et du coup, j'irai voir Bourgette, donc au relais de la Gazette, pour lui demander où est mon pote Piaf. Voilà. Donc, on va faire ça. Alors, on va pas s'enquiquiner, on va remonter la cascade. Donc, où est ma tenue? Voilà. Ok, on a bien fait de venir. Il y a un korogu. Et c'est pas par là qu'il faut. C'était bien avant quand on pouvait arriver avec le parapluie. Je vais voir si on. Non. Vraiment plonger. C'est l'arbre là. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Faut appuyer sur le bon bouton pour sauter, ça. Ça n'a aucun sens. Voilà. Allez, t'as vu? On va passer voir s'il n'y a pas un coup d'arbre. Non. Ok. Et du coup, on reviendra là plus tard, mais là, on va aller à la Gazette. Voir, il en est mon chapeau de grenouille. Et un jour, vous vous habituerez au fait que je change d'habitude. Alors, tout la Gazette. Donc Bourgette dans le 1, elle écrit aussi mais dans des livres plutôt qui sont au relais. Certaines rumeurs. Voilà. J'y suis déjà allée dans ce trou. Je croyais que c'était une plaque de glace qui cachait un trou. Ah bonjour, on travaille dur à ce que je vois. Ça va, tout se passe bien avec Pen? Ah, tu as perdu Pen de vue. En ce moment, il devrait être en train d'enquêter au relais des marécages. Il est situé de l'autre côté du pont de Rebona, dans la partie est de la plaine d'Ilurule. C'est pas loin du village Cocorico où sont tombées ces ruines bizarres, des vestiges circulaires. Il y aurait beaucoup de voyageurs dans le coin et donc sans doute des informations à glaner. Sous ses airs de grand reporter, Pen est encore un débutant. Il n'est pas tout à fait au point, mais veille sur lui s'il te plaît. Sinon, ce roi démon a pointé le bout de son nez et les choses se présentent pas super. Mais tant qu'on l'aura pas retrouvé, on continuera de chercher des indices sur la présence de Dame Zelda. Et pour entendre des rumeurs et autres informations, il faut aller au contact. Alors, on va enquêter dans les relais. Ok. Donc, je pense que c'est un relais que je n'ai même pas découvert. Qu'ils ont dit. Elle a dit à l'est de la plaine d'Irule. Ok. Près des marécages. Alors, la plaine d'Irule, elle est là. L'est est là.
Ah, est-ce que ce serait ça les marquages? Yep. Ok, il est là le relais. Et donc, on va faire un petit asile de sanglier. Depuis, je pense, la tour de fort de guerre, papa. Sans kikiner. D'ailleurs, je vais en profiter pour regarder sur l'écran de chargement combien j'ai de lueurs bienfaisantes. Je pense que j'en ai 4. Ouais, j'en ai 4. Je vais aller me redonner un cœur. J'ai déjà eu 232 Korogu. Kaker. Hop. 16e cœur. Non. 21e cœur. Non, même plus. Attendez, c'est 20 la ligne. Donc 26e cœur. Hop. Allez, on compte. Tour. Et azimut sanglier jusqu'au sanctuaire par là-bas. Et si je mettais ma jupette? Donc mon truc qui me permet de me d'avoir une meilleure mobilité en chute libre. Et franchement, regardez sur la petite map en bas, c'est pas dégueu sa vitesse de... Je vais à la même vitesse que quand j'ai le paravoile plus le copain piaf. Je descends plus vite, oui, mais enfin, j'avance quand même de ouf. Est-ce que cette petite île, je l'ai déjà? Non. On va faire la petite île là-bas. Il y en a une autre aussi. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais me faire les deux petites îles là. Donc franchement, si j'avais voulu aller jusqu'au relais sans passer par les petites îles, j'aurais même pas eu besoin du parapente. Donc c'est pas dégueu cette affaire.